Le centre, au moment où Peggy voulait centrer, le ballon a sauté. Sarah, c'est passé pour Sarah. De s'appliquer sur le centre. Ouais, rebondi ouais. Et le but de Matteo Griezmann. À 7 minutes de la fin du temps réglementaire, le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié. Le Paris Saint-Germain est toujours éliminé, mais le Paris Saint-Germain peut y croire. Paris a un but de la qualification pour aller chercher. Griezmann qui a manqué un pénalty tout à l'heure, mais Griezmann qui permet au Paris Saint-Germain de mener 3-0. Ouais, il est récompensé quand même, Griezmann, de son match, de son travail, parce que même s'il a raté un pénalty, il a été très utile. Et là, on voit, il attaque très très bien son ballon au premier poteau. Et il anticipe ce centre de Seara, il la met bien du plat du pied. Vraiment le geste qu'il fallait. Il faudra aller rechercher, j'espère qu'on a cette image du banc parisien qui se lève et qui court vers Louis Ndoula. Superbe but. Quelle action. Et puis surtout le sang-froid, il fait feinte de frappe. Le gardien anticipe, il s'ouvre le chemin du but. Énormément de sang-froid de Peggy sur cette ouverture magistrale hein, de 30 mètres de Ludo Juli. Ouais, c'est magnifique ce qu'il fait pour éliminer. Feinte de frappe, il n'a jamais perdu le ballon qui est resté dans ses pieds. Et a maintenu l'adversaire sur sa gauche. Exceptionnel but de Peggy. Louis Ndoula, c'est la 11e titularisation seulement cette saison, toute compétition confondue, de Peggy Louis Ndoula. Paul Le Guen le reconnaissait ces derniers jours. Il a eu, lui, Paul Le Guen, avec Peggy Louis Ndoula, des moments difficiles en début de saison.